Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, une attaque meurtrière contre un centre du planning familial dans le Colorado. Plusieurs personnes tuées dans la fusillade, c'est à nouveau l'avortement qui est visé. À suivre aussi la question du réchauffement en vue des États-Unis, un sujet qui divise. Les climato-sceptiques refusent d'y voir l'impact de l'homme, alors que les effets, eux, sont bien visibles le long des côtes américaines. Et puis la tournée d'adieu pour Kobe Bryant, le basketteur le plus titré de sa génération, annonce la fin de sa carrière. Il tirera sa révérence à la fin de la saison. Obstétricien, un métier à risque aux États-Unis, du moins pour ceux qui pratiquent l'avortement. Un centre de planning familial a été attaqué vendredi dernier par un homme armé. Le bilan est lourd, 3 morts et 9 blessés. L'assaillant lui est sous les verrous après cette prise d'otage dans une clinique de Colorado Springs. Celle-là même qui subit la vindicte des Républicains depuis qu'une vidéo clandestine diffusée cet été a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un commerce d'organes autour des fœtus. De quoi raviver la colère des ultras anti-avortement. Depuis 1993, au moins 11 personnes sont mortes dans des attaques similaires. Leïla Sali. Il comparait par visioconférence depuis sa cellule. Robert Lewis Deere écoute impassible le juge énoncer les chefs d'accusation retenus contre lui. La charge initiale retenue est le meurtre au premier degré. Vous risquez au minimum la prison à vie, la peine maximale et la peine de mort. Robert Lewis Deere, 57 ans, a ouvert le feu vendredi dernier dans ce planning familial du Colorado. Une fusillade de plus de 5 heures, bilan, 3 morts. Lors de son interrogatoire, l'accusé tient des propos anti-avortement. La dernière d'une longue série d'attaques contre les centres pratiquant l'IVG aux États-Unis. Les années 90 sont les plus meurtrières. En 1993, cet homme, Michael Griffin, abat le Dr Gunn devant sa clinique en Floride. C'est le premier médecin pratiquant l'avortement à être assassiné. Un an plus tard, John Salvi, 22 ans, ouvre le feu dans deux cliniques près de Boston. Il tue deux personnes. Lors de son procès, il se présente comme un combattant chargé de sauver l'Église catholique. Il faut que nous soyons plus nombreux, car l'avortement vise à anéantir l'Église. Conviction partagée par de nombreux fanatiques. La même année, Paul Hill, ancien pasteur, assassine un médecin et son garde du corps. Pendant son procès, il ne montre aucun remords. À la fin des années 90, un nouveau type d'attaque fait son apparition. Des bombes sont posées dans des centres anti-IVG, à Atlanta en 1997, puis Birmingham un an après. Face à ces violences, les cliniques s'équipent dans les années 2000 de matériel ultra sécurisé, comme ici à Washington. Ça, c'est une vitre blindée qui résiste aux balles de pistolet. Ça permet de protéger notre personnel contre tout individu qui entrerait ici avec la volonté de commettre des violences. Ces dernières années, de nombreux centres pratiquant l'IVG ont dû fermer leurs portes. De plus en plus d'États conservateurs multiplient les lois restreignant l'avortement. Non aux réformes anti-carbone. À peine Barack Obama vient-il de reconnaître le rôle et la responsabilité des États-Unis pour protéger l'environnement, que son opposition républicaine au Congrès lui oppose une fin de non-recevoir. La Chambre des représentants rejette son plan d'une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Un vote qui restera symbolique. Obama a promis d'y opposer son veto. Mais il illustre les fractures au sein de la société américaine dès lors qu'il est question du climat. Noémie Roche. Démolir la voiture du concurrent dans le vacarme et la fumée. Une attraction très prisée en Virginie occidentale. L'État qui compte le plus de climato-sceptiques. Ici, deux tiers des habitants pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû aux activités humaines. Et dans cette fête de village, on le clame sans état d'âme. C'est tout le temps le changement climatique par-ci, le changement climatique par-là, mais il y a quand même des choses plus importantes que ça. Dans l'église protestante toute proche, les fidèles sont aussi convaincus que l'homme n'est pas responsable du changement climatique. Plus qu'une certitude, c'est d'abord une croyance religieuse. La terre se réchauffe et se refroidit en fonction d'un plan prévu par Dieu. Et même s'il le voulait, l'homme ne peut pas changer le climat. Changer le climat peut-être pas, mais se préparer au changement, c'est ce que commence à faire la ville de Miami. Ici, c'est un constat, les eaux montent à cause de la fonte des glaces. À terme, la ville pourrait disparaître. La municipalité a entamé des travaux pour surélever certaines rues. Mais pour sauver la ville, il faudra faire beaucoup plus. Nous avons enterré 5 marches des escaliers que vous pouvez voir ici. Ici avant, il y avait 7 marches et maintenant il en reste seulement 2.
Nous avons ignoré ce problème pendant longtemps. Maintenant, il est temps de le reconnaître et de relever ce défi. Menacée elle aussi par la montée des eaux, San Francisco s'est engagée dans ce défi il y a longtemps déjà. Investissement massif dans les énergies renouvelables, transport écologique et surtout recyclage obligatoire, la ville multiplie les initiatives pour contrer le réchauffement climatique depuis près de 14 ans. Les habitants de San Francisco pensent tous les jours au réchauffement climatique et à la montée du niveau des océans. On ne va pas attendre d'être inondé. On prend des mesures dès maintenant. Des mesures génératrices de croissance verte. À San Francisco, le secteur du recyclage a ainsi permis de créer près de 180 emplois. Un argument de plus pour tenter de convertir les climato-sceptiques à la cause écologiste. Mettre au monde un enfant, c'est parfois s'oublier un peu soi-même. C'est ce que semble montrer de manière très spectaculaire l'inventeur de Facebook, en léguant 99% de ses actions à sa fondation pour l'enfance. On parle de 45 milliards de dollars. Au moment où Mark Zuckerberg et Priscilla Chan viennent de donner naissance à une petite fille. Faire rimer paternité et générosité, oui, mais en gardant quand même les pieds sur terre, Zuckerberg entend conserver dans l'immédiat le contrôle de son réseau social. C'est l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, celui en tout cas où la criminalité reste contenue. L'Uruguay dénote par rapport à ses voisins. Pour essayer de comprendre, Mathilde Guillaume et Julien Ferra se sont rendus dans la cité-prison de Punta de Rieles, là où les détenus sont incités à monter leur propre entreprise. Et ça marche, seuls 4% de récidive à la sortie. Derrière les grilles de Punta de Rieles, c'est comme un village qui fonctionne avec le but de ressembler le plus possible au monde extérieur pour faciliter la réinsertion. Ici, tous les détenus travaillent. Restaurants, coiffeurs, épiceries, grâce au microcrédit, une soixantaine de petites entreprises créent une vraie économie à l'intérieur de ces murs. Et la plus importante, c'est la briqueterie de Julio César. Plus écarté, Fabian, s'il te plaît. Cela fait 4 ans qu'il a été transféré à Punta de Rieles, après 10 passés dans une prison de haute sécurité. Quand je suis arrivé, je ne savais pas ce que c'était que de travailler. Je n'avais jamais travaillé. C'est la simple vérité. Je me souviens encore du premier jour, j'ai fabriqué 50 briques et j'ai failli mourir. Et puis petit à petit, j'ai pris la main. Toute cette structure, bureau y compris, il l'a depuis construite, encouragée par l'administration. Il emploie 12 de ses codétenus et facture en conséquence, grâce à un atout majeur de Punta de Rieles. L'administration choisit de nous faire confiance et autorise les portables et Internet. C'est très important. Je peux développer bien plus mon affaire en communiquant avec l'extérieur. L'objectif est de responsabiliser les détenus et de limiter toute forme d'humiliation. Entre les murs, pas de militaires ni de policiers en armes. Le personnel pénitentiaire est constitué d'assistantes sociales, principalement des femmes. Être encadré par des femmes change tout pour eux. La relation est moins violente d'emblée. Ils sont plus patients, plus ouverts. Rien à voir avec les difficultés qu'on pourrait imaginer. Certains prisonniers sont même autorisés à étudier à l'extérieur. Incarcéré depuis 16 ans, dont les 4 derniers à Punta de Rieles, Roy a repris des études d'ingénieur. Une marque de confiance qui a surpris jusqu'à ses compagnons. Le premier jour où j'ai eu l'autorisation de sortie, il y avait des paris dans toute la prison que je ne reviendrais pas. Pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Et le soir, quand je suis rentré, ils m'ont tout avoué. Ils avaient tous perdu. C'était génial. Il en rit aujourd'hui, mais sortir de ces murs et parcourir les 35 km qui le séparent de la faculté de Montevideo n'a pas été facile, après tant de temps passé derrière les barreaux. Au début, c'était horrible. J'avais l'impression que tout le monde avait les yeux fixés sur moi. Ça a été un choc très compliqué d'être à nouveau presque libre. J'essayais de l'assimiler, mais à l'intérieur de ma tête, de tout mon organisme, ça allait à 10 000 à l'heure. Roy devrait être libéré d'ici 2 ans, et il s'y sent préparé. À Punta de Rieles, le taux de récidive n'est que de 4%. Soirée riche en émotions, mardi au Wells Fargo Center de Philadelphie. C'était le dernier match de Kobe Bryant dans la ville où il est né et qu'il a vu grandir. L'arrière des Lakers annonce sa retraite après 20 ans de carrière. 20 ans après ses débuts, l'emblématique numéro 24 des Lakers de Los Angeles tire sa révérence. Le quintuple champion NBA arrêtera le basketball au printemps prochain. Même s'il garde le sourire, Kobe Bryant est en train de vivre la pire saison de sa carrière. Pour lui, le moment est venu de partir. Had to
Il faut juste que j'accepte le fait que je n'ai plus vraiment l'envie. Et ça me va. Honnêtement, je me sens très bien avec moi-même, je suis en paix. Un choix qu'il explique dans ce texte, rédigé comme un poème, et publié sur le site internet de son équipe. Son entraîneur actuel se dit triste, mais il rend hommage au parcours de Kobe Bryant. Vous savez, les joueurs célèbres, les gars qui laissent vraiment leur empreinte, sont d'abord jugés sur ce qu'ils font sur le terrain, et aussi sur la durée de leur carrière. Lui, il a une carrière incroyable, comme Michael Jordan. Une carrière toutefois entachée par un scandale. En 2003, Kobe Bryant est accusé de viol par une jeune femme. L'affaire, réglée par un accord financier loin des tribunaux, a terni son image. Mais le sportif n'en reste pas moins une icône qui fait vendre. Qu'il parte à la retraite, je pense que c'est bien pour lui, pour son corps, je veux dire, qu'il pourra profiter de la vie. Mais ce n'est pas bon pour les affaires. Car comme vous le voyez, son portrait se trouve sur ce ticket et ça, c'est bon pour les ventes. Sauf surprise, Kobe Bryant disputera son dernier match avec les Lakers le 13 avril prochain. Et sur ce qu'il compte faire ensuite, le sportif n'en a pour l'instant pas dit plus. Voilà Cap Amérique, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.